Amandine Pélissard change de cap, sa dernière annonce choque la toile. Amandine Pélissard a décidé d'arrêter sa participation à Famille Nombreuse. Elle s'est lancée un nouveau défi qui a choqué les internautes. Amandine Pélissard s'est fait connaître grâce à l'émission Famille Nombreuse, La vie en XXL, diffusée chaque fin d'après-midi sur TF1. Cependant, alors que la famille Pélissard est l'une des stars du programme, la matriarche a pris une grande décision, choquant au passage les téléspectateurs. En octobre dernier, la mère de 6 enfants a annoncé son départ de Famille Nombreuse et il semblerait qu'elle ait eu des désaccords avec les équipes de la première chaîne. Souvenez-vous, au cours d'une interview accordée à Jérémy Star, Amandine Pélissard avait fait de graves accusations à l'encontre de la production de TF1. Entre travail dissimulé et télé-réalité maquillée en documentaire, la mère de famille a tout balancé. L'influenceuse a notamment expliqué que les équipes auraient fait tourner ses enfants jusqu'à 6 heures par jour sans les rémunérer. Et si l'aventure de Famille Nombreuse est à présent derrière elle, l'épouse d'Alexandre Pélissard s'est lancée dans un tout nouveau business. Amandine Pélissard se lance sur Mime en effet, l'influenceuse a décidé d'ouvrir un compte sur Mime, et ce réseau social est au cœur de vives polémiques. Si à l'origine, les stars partageaient du contenu exclusif pour leurs fans, monnayant un abonnement, le contenu a très vite dévié. À présent, il est davantage connu comme un réseau social pour adultes afin d'y poster des publications très sulfureuses qui seraient censurées sur les autres plateformes. Et l'une des photos ultra sexy d'Amandine Pélissard choque déjà la toile. Elle apparaît simplement vêtue d'un maillot des bleus et en petite culotte, les jambes bien écartées. Sur Twitter, les abonnés sont sans voix. Elle ne pense pas aux conséquences sur ses enfants cette femme, s'interroge un twitto, consterné pendant qu'un autre déplore un comportement vulgaire. Amandine Pélissard n'a pas fini de faire parler d'elle.